Nous allons vous présenter à travers cette vidéo un module d'automatisation en ligne 100% Konica Minolta, unique sur le marché, qui regroupe de nombreuses fonctionnalités comme le calage recto-verso, la calibration du moteur, l'inspection automatique et bien d'autres choses. Depuis 4 ans, près de la moitié de nos clients ont opté pour cette solution lors de l'achat d'une presse numérique et sont totalement satisfaits du gain de temps, de la productivité, du peu de gâches et donc des économies que cela a pu leur apporter. Ce module a été conçu pour faciliter au maximum le travail au quotidien des opérateurs et leur faire gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Demandez-vous, combien de fois faites-vous votre calibration? Quelle méthode utilisez-vous? Et combien de temps cela vous prend-il? En moyenne, les réglages couleur manuels peuvent prendre 10 à 40 minutes, voire plus. Ce module est équipé d'un spectrophotomètre et d'un double scanner qui vont permettre la lecture et l'ajustement automatique en temps réel. L'IQ 501 agit sur plusieurs fonctions pour faire une calibration complète, en seulement 13 feuilles et 12 minutes. Il prend en charge le réglage gamma automatique, l'uniformité de la densité, les D-max, le contrôle de la densité et bien entendu l'étalonnage du RIP. Cette étape est essentielle au maintien d'une qualité d'impression constante tout au long de la production. On est alors assuré d'avoir une conformité répondant aux exigences de tous vos clients. Ainsi, l'opérateur peut à sa convenance calibrer sa presse de manière simple et automatique et commencer d'autres tâches en même temps, comme la préparation de ses productions de la journée par exemple. Pour passer d'un job à l'autre, vous utilisez différents grammages et types de papier. Cela prend du temps de caler, surtout lorsque c'est fait manuellement, au moins 10 minutes en général. L'IQ 501 vous propose de le faire en seulement 2 feuilles, une pour la lecture de données et une pour l'ajustement du recto verso, pas plus. Une gâche papier très faible comparée aux autres méthodes utilisées. Tout est parfaitement calé en 2 feuilles. On peut ainsi lancer la production en toute sérénité. Nous allons encore plus loin dans l'automatisation jusqu'à simplifier le travail d'inspection après l'impression avec l'AIT, technologie d'inspection automatique et son modèle de purge qui permettra d'éliminer les feuilles non livrables. En effet, nous ne pouvons pas échapper à des défauts d'impression qui se seraient glissés dans la production sans l'avoir remarqué. Avec l'AIT, toutes les tâches de tonnerre, corona ou autres qui sont inévitables en impression numérique sont détectées automatiquement. Les feuilles comportant des défauts sont alors purgées et réimprimées correctement pour reprendre la production dans le bon ordre. Dans le cas de données variables, nous pourrons isoler la partie personnalisée, pagination, code barre ou autre, et continuer l'inspection automatique. L'opérateur sera ainsi libéré d'un travail de vérification manuelle long et fastidieux. Les feuilles arrivant en sortie sont totalement conformes et répondent ainsi parfaitement aux exigences clients et contribuent à une satisfaction client garantie. Giving shape to ideas. Konica Minolta.